Arcabas, hommage à Bernanos, 1962, Toulouse, Basilique Saint-Sernin. Dénoncer le comportement des évêques catholiques à l'époque de la guerre d'Espagne et, par-delà, toutes les déviances de la hiérarchie, tel est le but de cette œuvre d'Arcabas, le peintre chrétien français le plus célèbre de la fin du XXe siècle. À l'origine il s'agit d'un décor conçu pour une adaptation du journal d'un curé de campagne de Bernanos, monté par une troupe de théâtre populaire grenobloise. Profondément déçu par l'attitude de l'Église pendant la guerre en France, c'est vers le pamphlet sur la guerre d'Espagne, Les grands cimetières sous la lune, du même Bernanos, qu'Arcabas se tourna pour trouver l'inspiration. Reprenant l'antique disposition des crucifix byzantins accompagnés de part et d'autre de personnages, Arcabas flanque la croix de quatre tableaux qui accusent métaphoriquement la hiérarchie. On hésite sur le sens à donner au tableau supérieur droit. Des visages et des corps d'évêques, aux physionomies idiotes et aux mitres déraisonnables, semblent comprimés par une forme grisâtre. On sait qu'Arcabas avait à l'origine dessiné une crosse menaçante comme une potence, puis l'avait finalement remplacée par cet aplat étrange pour des raisons esthétiques. Est-ce une procession extravagante faisant étalage de tous les signes illusoires du pouvoir épiscopal Est-ce au contraire une expression de puissance divine qui rassemble les évêques et les tasses pour n'en faire qu'une sorte de grouillement insignifiant La scène au dessous paraît plus favorable, puisqu'un évêque mitré et crossé semble vouloir donner les derniers secours de la religion à une mourante tenue par sa mère. Mais alors que les deux femmes forment un ensemble beau, comme une piéta italienne, l'ecclésiastique est grotesque. Il est bigarré, arbore un profil grossier au très gros nez et à l'œil protubérant. Ses confrères ne sont pas beaucoup mieux traités. Présentés de profil, avec des mitres démesurées et des crosses surdimensionnées, ils paraissent beaucoup plus préoccupés à discuter entre eux qu'à soulager des souffrances auxquelles ils tournent le dos. On s'interroge dès lors sur le sens de cette cérémonie. Est-ce une tentative de récupérer le calvaire du peuple dans une liturgie caricaturale Ou bien faut-il prendre le geste de bénédiction au sérieux Ayant détourné à son profit une théologie de la souffrance rédemptrice, c'est peut-être la mort et ceux qui la donnent que bénit de son geste précis l'évêque de carnaval. Le charnier, à gauche, est la citation la plus explicite à l'œuvre de Bernanos qui inspire Arcabas. Les grands cimetières sous la lune. Cet astre se trouve destiné à la feuille d'or à la frontière du jaune et du bleu. Mais la présence d'une mitre au-dessus de la terre évoque aussi ces tombeaux baroques qui invitent à méditer sur la corruption de toute chose en figurant le mort dans toute sa gloire au-dessus d'un transi, un cadavre putréfié. Le massacre des innocents au-dessus constitue la métaphore générale des désastres de la guerre et fait allusion à la grande œuvre dénonçant la guerre d'Espagne. Le Guernica de Picasso. Une femme à genoux berce son enfant mort. Ses seins dénudés soulignent la tragédie de la mère nourricière qui ne pourra plus donner son lait. À côté d'elle, un soldat a mis un genou en terre pour procéder avec méthode à l'extermination d'un petit enfant qu'il tient par une jambe. Son visage géométrique de couleur jaune a les yeux mi-clos. La petite croix d'or au large montant est l'une des signatures d'Arcabas. Elle désigne toujours la présence de la divinité. Enchassée au beau milieu de l'abject massacre, elle signifie que même au cœur de la pire abomination, Dieu reste présent. Car si le Christ a un corps souffrant, son visage est beau et serein, comme celui d'un Christ roman. Et la clé se trouve au pied de la croix. Le petit enfant qui porte la pancarte. Présente une citation latine partielle des mots de Dieu quand il apparaît à Abraham. Je suis le Dieu de ton père, Abraham, n'aie pas peur. Par cette œuvre remplie de références à l'histoire de l'art, Arcabas renoue en effet avec la théologie du corps du Christ. Par leur attitude, les évêques ont ajouté aux souffrances de l'Église le corps du Christ, et donc au Christ lui-même. Mais en même temps, même si ce sont des témoins qui ont failli, ils n'ont pas cessé d'être des témoins du Dieu Sauveur.